Chapitre 4. Mes souvenirs d'Aubagne sont peu nombreux parce que je n'y vécus que 3 ans. Je vois d'abord une très haute fontaine sous les platanes du cours, juste devant notre maison. C'est le monument que ses compatriotes élevèrent à notre abbé Barthélemy, considéré comme un homme de gauche à cause du voyage du jeune Anacharsy. Peu de personnes l'avaient lu et beaucoup disaient en toute bonne foi « le jeune anarchiste ». Je l'ignorais évidemment à cette époque, mais j'écoutais avec ravissement la petite chanson de la fontaine qui pépiait avec les moineaux. Je vois ensuite un plafond qui tombe sur moi à une vitesse vertigineuse, pendant que ma mère, horrifiée, crie « Henri, tu es idiot ! Henri, je te défends !» C'est que mon oncle Henri, le frère de ma mère, me lance en l'air et me rattrape au sol, au vol. Je hurle d'angoisse, mais quand ma mère m'a repris dans ses bras, je crie « Encore, encore !» Mon oncle Henri avait 30 ans, une jolie barbe brune, et il était mécanicien de machines à vapeur. Il travaillait à leur construction dans les ateliers des forges et chantiers, comme avait fait son père, ce grand-père maternel que je n'ai jamais connu. Celui-là éteignait à Coutances vers 1845 et il s'appelait Guillaume Lanceau. Normand de pure race, il était venu à Marseille en faisant son tour de France. Ma grand-mère marseillaise lui plut, il y resta. À 24 ans, il avait déjà 3 enfants, dont ma mère était la petite dernière. Comme il savait bien son métier et que la mère ne lui faisait pas peur, on l'envoya un jour à Rio de Janeiro pour dépanner un navire à vapeur dont la machine ne voulait plus repartir. Il arriva dans ce pays encore sauvage, sans vaccin d'aucune sorte. Il vit des gens qui mouraient de la fièvre jaune et tout bêtement, il fit comme eux. Ses enfants n'avaient pas eu le temps de le connaître et ma grand-mère, qui ne fut sa femme que pendant 4 années, n'a pas pu nous dire grand-chose, sinon qu'il était très grand, qu'il avait des yeux bleus de mer, des dents très blanches, qu'il était d'un blond tirant sur le roux et qu'il riait d'un rien, comme les enfants. Je n'ai même pas sa photographie. Parfois, le soir, à la campagne, au coin du feu, je l'appelle, mais il ne vient pas. Il doit être encore dans les Amériques. Alors tout seul, en regardant danser les flammes, je pense à mon grand-père de 24 ans, qui mourut sans lunettes, avec toutes ses dents, sous une épaisse chevelure dorée. Et je m'étonne d'être le si vieux petit-fils d'un grand jeune homme de Coutances. Un autre souvenir d'Aubagne, c'est la partie de boule sous les platanes du cours. Mon père, parmi d'autres géants, faisait des bonds prodigieux et lançait une masse de fer à des distances inimaginables. Parfois, il y avait de grands applaudissements, puis les géants finissaient toujours par se disputer à cause d'une ficelle qu'ils s'arrachaient des mains, mais ils ne se battaient jamais.